Messieurs, bonsoir. Pour dire vrai, est-ce que vous avez tremblé jusqu'au bout? Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est qu'on est tenu jusqu'au bout. Tenu jusqu'au bout avec une équipe qui a été efficace offensivement, on l'a vu notamment avec Miguel Alfarella virevoltant, et puis un fond de jeu qui semble s'approfondir de match en match, et ça c'est une principale satisfaction pour vous? Oui, après c'est... On essaye d'avancer au fur et à mesure sur ces choses-là. Maintenant, tout ne va pas être parfait dès le début ou quoi, mais on a vu qu'en première mi-temps, on a pu ressortir ces ballons sur les côtés comme on a travaillé un petit peu avec plusieurs actions ou quoi. Et je pense qu'on aurait mériterait peut-être tuer le match dès la première mi-temps. Par contre, après, quand on ne le fait pas, c'est ce qu'on a vécu jusqu'à la fin. C'est un stress permanent, mais bon, c'est comme ça fait partie du football. Donc, mais bravo aux garçons. Depuis votre prise de fonction, vous insistiez sur l'état d'esprit. Ce soir, en deuxième mi-temps, c'est ça qui a fait la différence? Oui, c'est ça. Malgré tout, je n'ai pas l'impression que Grenoble se procure de véritables occasions nettes. Peut-être une quand il sort dans les pieds, quand Johnny sort dans les pieds. Après, j'ai envie de dire, Johnny a toujours bien fait son taf. On sait l'importance qu'il a dans l'équipe. Il a continué parce qu'il n'a pas été mis beaucoup à contribution. Mais quand il avait à faire cet arrêt, il l'a fait. Mais c'est sûr qu'on regrette plus le manque d'efficacité. Après, on ne va pas vous mentir, 1-0 tous les matchs jusqu'à la fin, on signe maintenant. Justement, comme vous pouvez l'expliquer, ce dernier quart d'heure où on a vraiment stressé, on s'est dit que ben voilà, il aurait pu avoir l'égalisation grenobloise. Comment on peut l'expliquer alors qu'il y a eu 75 bonnes minutes où le Sporting a quand même maîtrisé son sujet? Je pense que Grenoble est, on va dire, s'est lâché un petit peu plus. Nous, un petit peu la peur du résultat. C'est comme ça que ça arrive, même au plus grand ou quoi. Quand on arrive vers la fin du match, on se dit toujours on a ces 3 points dans l'escarcelle, il faut les garder. Et des fois, on déjoue. Au lieu de continuer peut-être à monter sur eux, qui les a gênés pendant tout le match, on recule et c'est un réflexe, on va dire, un petit peu... normal, mais qui des fois met l'équipe en difficulté. C'est ce qu'on a vu, c'est pour ça qu'ils se sont créés cette action que Johnny a sortie. Mais par rapport à cela, je pense que voilà, il ne faut pas tout demander non plus. On est un peu en phase de reconstruction et par rapport à cela, je pense que le mental des garçons commence à prendre et on voit qu'ils se battent les uns pour les autres et c'est ce qu'il faut dans ces situations-là aussi. C'était votre 5e match à la tête de l'équipe bastiaise. Le bilan à l'heure actuelle, c'est 10 points en 5 matchs. Vous vous étiez fixé un objectif sur 5 matchs, mais peut-être, mais en tout cas, 10 points en 5 matchs, c'est quand même pas mal. Oui, vous avez répondu à la question en la posant. Sur ce match-là, on voit le Sporting. Vous avez eu deux dispositifs en cours de match. Vous avez su vous réadapter un petit peu à la physionomie de la rencontre avec toujours ce début de match. On va les chercher, pressing et Miguel Alfarella notamment très en vue. Ouais, après, il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui joue en tout cas qui a la volonté de jouer les playoffs jusqu'à la fin. Donc c'est une équipe de qualité. Après, ils sont un peu dans le dur en ce moment. Notre but et notre volonté, c'était de les conforter dans cette spirale-là. Ce qu'on a très bien fait au début de match, même s'ils sont sortis 2-3 fois, mais je pense qu'on aurait pu ouvrir le score, notamment sur la tête de Benjamin Santelli, que Maubleu a superbement repoussé. Je pense que c'est significatif, parce qu'il y a eu un Sporting avec plusieurs facettes. On a été conquérant, mais après, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on a su tenir dans les moments faibles et dans les temps faibles ce qu'on n'était peut-être pas capable de faire il y a quelques temps, et notamment contre cette défaite contre Rodez. Voilà, après pour nous, c'était un match hyper important. On l'a martelé aux joueurs et on est très heureux de l'avoir emporté ce soir. Tenir, ça veut dire ne pas avoir peur, par exemple, de faire passer Roncal au milieu, de faire entrer Keita, ça veut dire de bétonner un petit peu en fin de match. Oui, c'est... C'est dans ce choix-là, on montre qu'à un moment donné, on va fermer la maison un petit peu pour pouvoir peut-être gratter le ballon, le jouer de l'avant. Mais à un moment donné, c'est sécuriser un petit peu le bloc. Et c'est pour ça qu'on a fait ce changement. Et voilà, les joueurs ne s'y attendaient pas peut-être ou quoi que ce soit sur le moment. Mais voilà, ils ont compris de suite. Le pourquoi du comment. En toute franchise, on a vu qu'avec Jocelyn Jeannet, il y a eu un petit souci à sa sortie. Les images du diffuseur montrent d'ailleurs que le président Ferrand est allé voir immédiatement Jocelyn Jeannet. C'est parce qu'il ne vous a pas salué, c'est ça, quand il est sorti, ça a été le petit souci? Pas du tout. On gérera ça plus tard. Pour revenir sur le côté positif de l'état d'esprit,
quand on voit les courses défensives de Miguel Alfarella, celle de Benjamin Santé, de Gaëtan Charbonnier aussi, vous parlez souvent, vous dites souvent, c'est à plus de 11 qu'on va y arriver, c'est en se donnant à 100%, c'est ça que vous voulez de votre équipe jusqu'à la fin de saison? Déjà, on veut et on a la volonté de concerner le maximum de joueurs possible. Et c'est ce qu'on fait, que ce soit à Quevilly où on a fait rentrer les 5, que ce soit le dernier match où on a fait rentrer les 5, ce soir encore. Bien sûr, c'est une volonté, mais encore une fois, ce n'est pas un cadeau qu'on leur fait. Ils le méritent et nous le prouvent tous les jours à l'entraînement. On sait qu'on a un banc de qualité. Demain, c'est peut-être eux qui commenceront. Nous, on n'a pas de problème avec ça. On a le luxe d'avoir des garçons de qualité sur le banc, autant s'en servir. Justement, on a vu que Issert Dramé, qui n'avait pas été très utilisé depuis votre arrivée, sur les deux derniers matchs, il a été titulaire. Ça veut dire que, déjà, il vous a donné satisfaction à Auxerre et que là, encore une fois, quelque part, votre choix a été confirmé. Oui, Issert, après, à un moment donné, il y avait peut-être des bruits sur un départ ou quoi, une fois que ça ne s'est pas fait. Mais on l'a convoqué, on a discuté avec lui, on a essayé de lui remettre la tête à l'endroit. Et comme c'est un garçon intelligent, mais ça s'est fait automatiquement. Il a dit... Je suis ici, je resterai ici, et si vous avez besoin de moi, je serai là, et c'est ce qu'il nous a montré aux entraînements. Donc notre choix là-dessus n'a pas été, a été facile, et il est un garçon intelligent, donc il sait qu'à un moment donné, ça peut changer aussi, ça peut rester comme cela, mais comme il me dit, quand on est sur le terrain, après il faut nous en sortir. Vous avez parlé d'un match... très important aujourd'hui, le match qui suit va l'être d'autant plus, c'est ce qu'on appelle un petit peu un match à 6 points face à un concurrent direct. Alors moi je dirais que c'est un match à 3 points. Tu disais qu'il y avait, pas forcément toi, mais en tout cas toi, on parlait beaucoup de pression autour de cette rencontre de Grenoble. La pression, ça fait souvent déjouer, et là on s'est aperçu que dès les premières minutes, dès les premières secondes de ce match, cette équipe elle a été conquérante de suite. Notre discours, ça a été de leur mettre la pression sur les épaules, parce qu'ils l'ont aussi, mine de rien. Et ensuite, de prendre du plaisir. De prendre du plaisir, tout simplement. Ce qui est important, c'est que les joueurs amènent le public avec nous. On le sait, ils le savent. Mais ce n'est pas tout le temps par la bagarre. On sait qu'on peut l'amener aussi par le jeu. Alors, nous, on aime bien qu'il y ait quelques tampons, quelques attroupements. Mais je trouve que ce match, où durant 75 minutes, je pense qu'on a été dominateur. On l'a gagné par le jeu et grâce au jeu. Et c'est ça qu'il faut retenir ce soir.